Bonsoir, dernière partie de cette Coupe du Monde de pelote qui se déroule à Oloron. Dernière partie de la soirée, bien sûr, pour nous, avec cette demi-finale de palette à cuir qui va opposer l'Espagne à la France. Une partie très attendue pour de multiples raisons qu'on va vous expliquer. Les Français sont en blanc, les Espagnols sont en rouge. Christophe Delisondo à mes côtés, ancien joueur d'ailleurs de palette à cuir. Vous allez nous amener votre analyse pointue sur cette demi-finale. Donc les Français qui ont été battus l'année dernière en finale à Barcelone par ces mêmes Espagnols vont tenter de retrouver un petit peu leur superbe et peut-être de l'emporter. En tout cas, c'est une partie qui nous promet beaucoup parce que du côté espagnol, il y a un entraîneur qui s'appelle Arnaud Bergerot, qui est le plus beau palmarès de palette à cuir et qui entraîne l'Espagne après un différent, mais qui dure depuis l'an dernier, puisqu'à Barcelone, il est également entraîneur des Espagnols. Et donc, il y a un différent avec les joueurs français, et peut-être même plus. Et donc, Arnaud Bergerot est encore là pour gagner et les Français pour prendre la revanche. Donc, il y a match dans le match. Pardon, excusez-moi. Oui, je disais, il y a de la revanche dans l'air, ça c'est évident. On se rappelle de Barcelone que la partie avait échappé aux Français. Un petit peu à la surprise générale parce que voilà, Denis Larech et puis Valentin Cambos dominent la paleta en France maintenant et aussi au niveau à l'international avec notamment plusieurs victoires au célèbre tournoi du Jambon à Pampelune qui est une compétition très relevée, très réputée qui regroupe tous les meilleurs joueurs et ça faisait 4 années qu'ils remportaient le tournoi et donc ils s'avançaient invaincus sur cette compétition des champions du monde de Barcelone. Malheureusement, la partie leur a échappé. Effectivement, comme vous avez souligné, Arnaud Bergerot entraîne l'équipe d'Espagne. Il a l'avantage de connaître parfaitement les joueurs français. Alors est-ce que cela avait joué? Probablement dans la stratégie, dans l'approche, etc. Certainement, oui. Là on est à Oloron cette année, les cartes sont redistribuées. L'arrière espagnol Inigo Anso n'est pas là. Il est remplacé par Daniel Ramos qui est également un joueur fabuleux du Tennis Club Pampelune. Mais c'est un autre style de jeu par rapport à Inigo Anso. Inigo Anso cassait plus le jeu, ce qui avait gêné un petit peu Valentin sur la finale. D'ailleurs, on avait vu que ça avait coaché en finale. Damien Lepaille était rentré. Ça avait failli faire basculer les choses en faveur des Français. Donc voilà, donc on est avec un autre arrière. Donc Daniel Ramos, qui est un peu plus offensif. Mais le voilà à l'antenne, là. Arnaud Bergerot en rouge, derrière le filet. L'entraîneur espagnol. Voilà. Et par contre, devant, donc on a les mêmes avants. Miki Lascoiti, qui est donc le joueur... joueur pareil du Tennis Club Pampelune qui est un joueur éclectique qui a fait des Coupes du Monde en mur à gauche 36 mètres aussi de Palacorta, de palette à cuir, qui n'avait jamais remporté de médaille d'or, toujours finaliste malheureux sur des championnats du monde à Pau en 2010, à la Coupe du Monde de Corta en 2011 et qui là à Barcelone a remporté la médaille d'or en allant vraiment se la chercher, comme on dit, en se comportant en patron. Vous allez voir, c'est un joueur qui a un fort mental et qui ne passe jamais à côté et qui va mettre beaucoup d'enthousiasme dans toutes les frappes et dans tout ce qu'il va faire. C'est un joueur, c'est un pilier de l'équipe d'Espagne. Donc la courbe s'est inversée un petit peu mentalement parce que c'est l'Espagne maintenant qui est sur les dynamiques. C'est eux les champions du monde en titre. Donc la pression... Et en France, pour la France, nous aurons donc Denis Larech, le Basque, associé à Valentin Cambos, le Landais, qui est licencié à Biarritz. Oui. Mais Denis Larech, Valentin Cambos, c'est l'équipe qui, l'an dernier, avait joué la finale. Oui, tout à fait, qu'il avait commencé en tout cas, puisque Damien Lepaille était rentré au début du second set. C'est l'équipe phare de palette à cuir trinquée, ils sont en pleine force de l'âge. Denis a 29 ans, Valentin a 25 ans, donc c'est la génération juste avant. Mais on a tendance à dire qu'entre 25 et 35, on est au top, donc je crois qu'ils sont dedans. Et, maintenant, ils n'ont jamais malheureusement réussi au niveau international à gagner l'or. Donc ils en ont encore une occasion là, ils sont chez eux, on est en France, c'est le trinquet, ils le connaissent bien. Ils sont
préparé sérieusement. Voilà, donc il y a eu un petit accro au tournoi du Jambon. Ils ont été battus par une équipe argentine. Là également en poule, hier soir, ils ont laissé quelques plumes contre, contre les Argentins, contre Villegas et Andreasen. Voilà, ils ont perdu contre les Argentins, ce qui fait qu'ils sont terminés, ils ont terminé deuxième de leur groupe. Ils rencontrent les premiers de la poule A, qui sont les Espagnols, l'Espagnol invaincu. Voilà. Donc voilà. Là, on voit les joueurs qui sont en train d'essayer les pelotes. Hein, et que ça sera aussi une donnée très importante de la partie. Voilà, la vivacité des pelotes, je pense que les Français préféreraient des pelotes vives. Pour notamment la qualité du but de Denis Larech et la vitesse de pelote de Valentin via les murs. Donc ils sont en train de les essayer. Ça aussi, stratégiquement, ça sera très important. Voilà, donc cette spécialité palette à cuir qui est extrêmement spectaculaire également. Donc ça va vous changer de la palette à gomme qu'on a pu observer durant cet après-midi et tout à l'heure, lors de la demi-finale. Ce n'est pas le même jeu. La pelote, c'est une pelote de cuir, donc une pelote qui a une autre fabrication, qui rebondit, qui est dure, qui est plus lourde. Et puis également, ça frappe. Il n'y a pas tellement d'effets là qui rentrent en compte, même s'il y en a. Hein, mais il y en a un petit peu, voilà. Mais effectivement, c'est plus de la frappe que du voilà. Frottage, comme on a pu voir tout à l'heure avec la palette à gomme. Ouais. Voilà. Donc la puissance des joueurs de Pampelune là, on va voir si elle va être contenue par celle des Français. Et l'arbitre en rencontre, c'est le meilleur arbitre actuel, en tout cas le plus respecté. C'est le basque espagnol Peyo Tranche, qu'on a beaucoup vu cet après-midi et qu'on n'a pas fini de voir durant cette compétition. Alors au départ de cette compétition de palette à cuir, il y avait donc 9 équipes. 8 équipes, pardon, c'est la palette à gomme qui comptait 9 équipes. La palette à gomme, c'est la spécialité la plus répandue, la plus pratiquée. Et la palette à cuir, juste après, a compté pour cette Coupe du Monde 8 équipes. Donc l'Espagne, Cuba, Uruguay, Chili, l'Argentine, les États-Unis, la France et le Mexique. Et donc, il y a 4 équipes qualifiées pour les prochains championnats du monde. Et ce sont donc les demi-finalistes qui ont gagné leur billet pour les championnats du monde. Et donc, les 4 nations majeures, elles sont en demi-finale. Et on va les retrouver dans 3 ans à Biarritz pour les championnats du monde. Mais ces rendez-vous internationaux, il n'y en a pas beaucoup durant les 4 ans qui séparent les championnats du monde respectifs. Il n'y a pas beaucoup de véritables rendez-vous internationaux. Et cette Coupe du Monde, elle compte pour les joueurs. Quand vous parlez avec un joueur, notamment vous par exemple, Christophe Elizondo, si on vous demande votre palmarès, vous sortez les championnats du monde, mais tout de suite après, vous sortez la Coupe du Monde. Bien sûr, les Coupes du Monde sont au même titre que les championnats du monde, des choses qui comptent dans une carrière et qui agrémentent les CV, comme on dit. Et donc effectivement, c'est des rendez-vous incontournables. Et donc là, la formule a un petit peu changé. Aujourd'hui, c'est dans les champions du monde que les meilleures nations se qualifient aux champions du monde via les Coupes du Monde. Il y a quelques années, c'était l'inverse. Donc les Coupes du Monde étaient entre seulement les meilleures nations. Donc effectivement, quel qu'il soit l'ordre de qualification, les rendez-vous sont très importants. Voilà, c'est l'occasion de se jauger sur la scène internationale, de se préparer. Voilà. On se prépare en France, et puis pour se mesurer aux autres, on envoie dans chaque nation les meilleurs joueurs. On tire à gagner, vraiment c'est des rendez-vous importants. Là, il y a des chasses gardées, on a vu avant la palette à gomme les Argentins qui sont injouables. Là, sur le trinquet, la France est une nation forte. Hein. On développe beaucoup le trinquet en France, notamment avec la mer nue et la palette à cuir également. Donc c'est des spécialités où il faut que la France brille. On est à domicile en plus. Donc on attend un bon résultat ce soir des Français. On l'espère en tout cas. Voilà, Miguel Ascoiti en rouge, l'avant espagnol. Tous les joueurs de Palacorta sont de Pampelune dans la sélection espagnole. Et à l'arrière, Daniel Ramos. En maillot blanc pour l'équipe de France, Delantero, il va jouer devant Denis Larech.
Durigne, en Pays Basque. En camiseta blanca para Francia, en maillot blanc pour l'équipe d'Espagne, pour l'équipe de France, Taguero, il va jouer derrière Valentin Campos. Valentin Campos, l'Hollandais. Dasteng, oui, tout à fait. Si je ne me trompe pas, même s'il est licencié à Biarritz. L'arbitre de la rencontre, c'est un Hollandais. Son père jouait à Dax. US Dax, oui, Jean-Luc. C'est un entraîneur aussi. Oui. Voilà, on lance le Douro. Et je vais poser la question à ma consultante et je vais vous poser la même question. Vous savez ce que c'est que le Douro? Espagne, c'est non, parti. Non, vous êtes trop jeune. Ah bon, d'accord, ça va, ça me fait plaisir. Dans le deal inverse maintenant. Vous n'avez pas connu la P7. Mais le si, j'ai connu. Ah, vous l'avez connu un peu quand même. Peu. Mais le Douro, c'était la pièce de 5 P7 qu'on lançait d'accord. Pour le pile ou face. Okay. Aujourd'hui, le nom est resté, mais la pièce est... La P7, c'est, oui. La P7 a disparu. On a donc une espèce de médaille d'un côté rouge et de l'autre bleu, je crois, ou verte. Oui, bleu ou rouge. Comme on veut. Oui, comme on veut. Voilà, c'est ça. Selon les endroits, on va redevenir sérieux et regarder ce premier but qui échoue aux Espagnols avec Dascoiti. Une erreur d'arbitrage. La pelote a touché le sol d'abord. L'arbitre Tranché qui de suite va dire au joueur que c'est lui le patron, c'est lui qui décide et qu'il faut continuer. Mais je crois que la pelote a touché le sol d'abord. Je crois. Espagne 1, France 0. Le point de revenir au français. Ouais. Il ne faut pas qu'ils sortent de la partie d'entrée de jeu. Comme ça, il faut qu'ils restent concentrés, les Français. Campos. Ramos. Qui a pris un risque là, et c'est normal, il avait une belle pelote. Il a voulu mettre beaucoup de vitesse au niveau de l'arrêt. Et malheureusement, il a touché cette raie. Et c'est un deuxième point pour l'Espagne, c'est dommage. En tout cas, on a vu un premier bel échange avec des avants qui, on va le voir pendant la partie, qui font des prouesses pour défendre. La pelote arrive extrêmement vite. Cette fois, Denis Larech. Et 3 pour l'équipe d'Espagne. 3-0, ça démarre bien mal pour les Français. L'Espagne a 3. Et on voit déjà Robert Giraud qui fait les 100 pas dans sa cage. Ouais, oui, qui motive ses joueurs, qui est très démonstratif. On va voir. Non, on n'a pas vu la glissade de Larech. Au but, Miguel Lascaiti. Il est direct. 4 pour l'équipe d'Espagne, rien pour l'équipe de France. Espagne 4, France 0. Alors on a parlé d'Arnaud Bergerot, l'entraîneur espagnol, mais on voit là sur la droite, avec son écharpe verte, Christian Duprat, l'entraîneur français, lui aussi landais de Dax. À nouveau sous l'arrêt.
La Reche a été battue 5-0. Véritablement un départ canon de la part des Espagnols. 5-0. Espagne 5, France 0. L'Espagne qui est clairement à l'initiative là sur ce début de partie. Je rappelle que c'est la c'est eux qui imposent leur rythme, qui ont les premières frappes incisives dans les points. Bon, ça vient aussi que c'est eux qui ont le but. Donc vous allez voir à ce jeu, avoir le but c'est vraiment un avantage. Donc là c'est l'Espagne qui avait. C'est l'Espagne qui bute puisqu'il n'y a qu'eux qui font le point. Et donc à partir du but, ils conservent l'ascendant. Et voilà, les seuls moments où la France aurait pu conclure le point, Denis malheureusement a touché la ligne. Et puis il y a eu après un deuxième point marqué par Ramos qui a eu beaucoup de chance là en bas à droite, là, avec une pelote qui est venue mourir et qui a trompé complètement Denis Larèche. Et donc du coup, ben, ça défile en faveur de l'Espagne. Il faudrait que la France marque un point pour casser cette série et que Denis bute. Avec Campos qui renvoie bien la pelote. Ils ont de la réussite aussi les Espagnols. Ouais. Et la pelote de Campos est bien trouvé une bonne trajectoire finalement. Deuxième ligne de Denis. Kiss pour l'équipe d'Espagne. C'est incroyable. Pour l'équipe de France. 16-0. Comment Denis Larèche a mis cette pelote sur l'arrêt une fois de plus. Miguel. Lascoiti. Encore une faute directe. La pelote est faite à 7 pour l'Espagne. La pelote est allée se loger directement dans le filet, alors que pour qu'elle se loge dans le filet, il faut qu'elle ait fait un rebond. Sinon, eh bien. Le point est à l'adversaire. 7-0, ça fait mal. Ouais, la double entame est clairement en faveur de l'Espagne. Et ça peut, contrairement à la gomme, où on avait dit qu'il fallait. C'était difficile de faire des séries, même si les Mexicains l'ont montré avant. C'était l'exception qui confirmait la règle. Mais après l'étacure, il peut y avoir des séries par le but, le changement de pelote. Il y a une belle pelote. Défendu. Un peu fort. Belle attaque de Campos. Qui sont dans la partie. Hein. Ils sont très mobiles. Ils communiquent beaucoup. Ils se connaissent. Hein. Ils sont du même club. Mickey qui est fourré au moulin en défense. Ah, Valentin Campos a cédé alors qu'il avait fourni de bonnes pelotes. Oui, oui, tout à fait. Mais là, vous voyez Daniel Ramos qui, comme je vous ai dit dans la présentation, qui est très joueur et qui va faire, qui est toujours dans la variation, qui est voilà, qui là clairement il le tente, c'est un coup qu'il a tenté. Il a eu la lucidité de le faire après un point où il a été quand même pas mal bougé, mais il finit par un lâcher en bas à droite là qui s'écrase. C'est vraiment de la belle ouvrage de la part de l'équipe d'Espagne qui pour l'instant est parfaitement en place. Et on les voit là sous la planche extrêmement déterminés, surmotivés par l'entraîneur français. On l'a déjà souligné. Et l'entame est vraiment clairement en leur faveur. Les Français ont pris ce temps mort pour essayer d'enrayer cette dynamique. D'arrêter l'hémorragie. 8-0, ça fait mal. Sans pas mettre du point les Français, sauf peut-être lors du dernier, mais la pelote de Campos est allée en bas. Pas mettre de l'échange en tout cas. C'est reparti donc 8 on est saqué Espagne, le but à l'équipe d'Espagne, Mickey Lascoiti. La retour direct.
avec un nouveau but, Miguel Lascoiti. A fait mouche. Ouais. Très bien tapé de la part de Denis là, qui a trouvé la vitre juste devant Daniel Ramos. De France, 8 pour l'Espagne. Qui n'a pas pu ce coup-ci ramener la pelote, mais dans le coin il avait déjà ramené une pelote extrêmement difficile. Voilà, il nous prouve qu'il va falloir aller chercher les points ce soir. Et donc il faudra maintenant qu'il profite du but, peut-être comme vous disiez tout à l'heure, comme vous le précisiez, profiter un petit peu du but pour lui aussi faire une série, pour que l'équipe de France fasse une série qui lui permette de colmater un petit peu. Changer la pelote aussi. Heureusement, il a buté Palette. Voilà, Campos qui appuie ses coups. Deuxième point, 2 à 8. Ouais, avec la pelote, Denis et Valentin ont changé la pelote. Donc sur ce demi-heure de Valentin, la pelote a plus glissé sur la vitre qu'elle n'est sortie. Elle serait sortie davantage avec la pelote précédente qui avait commencé à chauffer. Non, mais là, Daniel Ramos a été surpris. Il avait mis la palette dans la main gauche. Il n'a pas eu le temps avec la vitesse de la pelote. Il n'a pas eu le temps de changer de main pour jouer cette pelote. Elle va être difficile cette pelote, mais Campos en est sorti. Ah, une attaque canon là de Denis Larec. Ouais, Denis qui compte plus ce point. Donc on avait dit on avait vu sur les. Au tout début de la partie qu'il avait attrapé deux fois la ligne, c'était pas vraiment de réussite sur des pelotes où il avait vraiment lâché son bras et ce qu'il fallait faire. Et là voilà, donc il a réglé la mire et il marque un point important. Et là il gagne grand jeune but. Voilà le but. Le débat se rééquilibre. 4 à 8. France voilà, 4 spécialiste que vous êtes avait totalement raison. Les séries sont plus faciles à faire à Palet Akmir que dans une autre spécialité. Deuxième but. Très très bonne. Très très bonne zone là trouvée par Denis. Qui varie ses cibles là et qui a buté droit devant lui. Le long de la ligne du demi-faute. Tempo Espagne. Tempo Espagne. Et Bergerot rappelle ses troupes avec un temps mort. Chacun vient de se parler sûrement. Allez, le temps mort, il n'y a pas de temps salvateur avant pour la France. Ouais. Hein, le temps mort a été pris à 8 à 0. À 8 à 0, 8 à 0 ouais. et depuis l'Espagne n'a plus marqué un point. Alors ça permet à Arnaud Bergerot de remobiliser ses troupes, mais ça permet également de casser le rythme dans lequel étaient engagés les Français. Oui, voilà, les temps morts. Les temps morts, c'est un petit peu comme les changements de pelote, c'est pas forcément pour nous avantager, c'est des fois c'est surtout pour gêner les autres. Gêner l'adversaire, c'est pas quelque chose qui nous arrange forcément, mais c'est quelque chose qu'on pense faire pour gêner l'opposant. Là, la reprise de temps mort sera vraiment importante. On verra si la France va pouvoir continuer sur sa série et continuer donc avec cette pelote qui est dure, qui est froide. Et si l'Espagne marque le point, ils vont changer et on va repartir sur des échanges longs qui. En début de partie, a souri à l'Espagne. Cette pelote qui a l'air beaucoup plus dure que la première. Denis a rebuté droit devant lui. Ramos a réussi à la ramener. Il a fait un exploit parce qu'il fallait aller très vite. Mais là, malheureusement, c'était rebote. Vous avez vu, la pelote n'est pas remontée. Et les débats sont rééquilibrés là parce que 8-0, on se demandait où ils allaient.
Un autre but. Voilà, un autre but. Oui. Et le public qui se réveille aussi. Denis est sûrement le meilleur buteur du monde, je pense, dans cette spécialité. Ça, voilà, au niveau de la course d'élan et du timing entre le lancer et la frappe, c'est un modèle. Et il arrive à varier les effets, à varier les zones. Et ça en fait, voilà, bien évidemment, il met beaucoup de vitesse dans sa frappe. Il compense parce qu'il n'a pas tellement de gabarit par rapport aux autres. Non, mais regardez, il a gagné deux numéros pour buter. Encore une pelote dessous. Oui, c'est l'égalisation. On est passé de 0 à 8 à 8 partout. Ouais. À 6 à 0 ou à 5 à 0, Daniel Ramos a la même situation. Il met la balle bonne. Il met la pelote bonne au-dessus de la ligne. Il fait un joli lâcher, on l'avait souligné. Et là, dans la même situation, c'est pas un lâcher. Il a voulu forcer un peu plus parce que les autres sont en train de revenir. Ça s'est inversé psychologiquement. Et du coup, il a été imprécis. Il offre un point aux Français. Et là, la France qui passe devant, encore un but de Denis, qui est en train d'engranger un quatrième point, si je ne me trompe pas. Ouais, 4 buts, exactement. Ouais. Donc ça représente presque 50% des points marqués par les Français. C'est énorme, c'est des points qui tombent sans faire d'effort. Valentin n'a pas besoin de se fatiguer et les points tombent. Doublé. Et 10 pour l'équipe de France et 8 pour l'équipe d'Espagne. Toucher le sol, la pelote a touché le sol. On va le voir au ralenti. Voilà, elle tape par terre et après elle va au mur. Ce coup-ci, l'arbitre l'a vu. Les joueurs se sont arrêtés d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il donne une impulsion à la pelote au but, la Rech. Bien joué. Oh, bien, Mickey. Ah, mais ça joue, hein. On a des virtuoses, là, les quatre joueurs. Attention. Un tapé, Denis. Un temps qui suit, c'est bien. Là aussi, il faut avoir les deux mains. Hein. C'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Il est en point. Là, les Espagnols ont enrayé la dynamique des Français. 10 points d'affilée des Français, il faut le souligner. Ils mènent 10 à 9. Un peu de réussite là pour Daniel Ramos, là, qui attrape le bord de la planche sur cette pelote là qu'il avait simplement levée. Il a eu un peu de réussite. Dans la même situation, on se rappelle qu'en début de partie, Valentin a fait deux filets directs. Donc ça peut. Ce jeu là qui va extrêmement vite, il y a quand même la réussite, il faut la souligner. Elle peut être importante parce qu'on met parfois la pelote où on peut. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, mesdames et messieurs, égalité encore 10 partout. 10 à 10. Denis a avancé, il pensait que Mickey allait lui tirer un demi-mur. C'est ce qu'a fait Mickey, mais sauf qu'il n'a pas travaillé son demi-mur. La pelote est restée à l'intérieur et a été dans le dos, ou plutôt elle est restée à l'intérieur de Denis qui était parti
pour un deux murs qui allait dans le premier filet. Ça n'a pas été le cas. Voilà, donc Valentin n'a pas, ne pouvait pas suivre derrière la pelote, il n'a pas pu la rattraper. Sous pression, Campos. Ouais, la pelote 11 qui... pour l'Espagne, 10 pour la France. La pelote qui rebondit devant, la pelote qui rebondit devant Valentin. Et Valentin qui ne peut, peut pas la contrôler, qui tape un petit peu en arrière. Il n'a pas pu, il a pas pu contrôler la, la vitesse de la pelote. Il a subi un petit peu. Et à ce jeu, c'est vrai que si on subit, c'est pas... C'est un jeu de prise de position. Il faut être... Vous verrez si... Quand l'arrière adverse, l'arrière qui est devant l'autre, l'équipe est en domination en général. Là, sur le point, Valentin avait, avait été obligé de reculer. Voilà, là, il faut absolument qu'il revienne devant cette ligne. Et voilà, il est encore en retard. Et la pelote était dessus. Ouais. Point en Espagne. 12 à 10. 12, Espagne 12, France 10. N'accède pas la réclamation des Français. pour l'équipe d'Espagne, 10 pour l'équipe de France. Au ralenti, on voit pas bien. Ce que demandent les joueurs français, c'est que la pelote, après avoir touché le pan coupé, elle, est, elle, a touché, elle aurait touché la bâche sous la ligne. Donc, alors il y a une différence entre la mer nue et les instruments. Aux instruments, c'est faux, et à la mer nue, c'est bon. Pour l'équipe de France, 13 pour l'équipe d'Espagne, 11 et 13. Denis qui récupère le but là au bon moment. L'équipe de France était au bord du, au bord du précipice dans cette première manche, 13 à 10. Il fallait absolument reprendre le but. Je pense qu'il va changer la pelote. On voit l'arbitre, il a 4 pelotes dans la main. On rappelle aussi donc que la partie se joue en 2-7 gagnant. 2-7 de 15 points. Et éventuellement, si on arrive à un partout, une balle de 10 points. On est à 2 points du terme pour les Espagnols. Au but, Denis Larech. Pour la France. Cette pelote qui est beaucoup plus vive. Hein. Et faute de Valentin Campos. Au mauvais moment. Et 14 pour l'équipe d'Espagne, 11 pour l'équipe de France. Valentin qui a un petit peu, subi aussi cette pelote-là. Je crois que Christian lui a fait signe de vraiment la traverser, de vraiment la, la pousser, de ne pas se contenter de la remettre. Valentin, normalement, c'est un joueur qui est agressif, qui met beaucoup de vitesse et de conviction dans ses frappes. Il faut qu'il retrouve cette, cette racha, comme on dit. Voilà, comme ça. Et oui, cette pelote était difficile à relever. Et le premier set va dans l'escarcelle de l'équipe d'Espagne. 15-11. Un coup de musique, s'il te plaît, merci. 15-11. Donc, dans ce premier set, alors on peut dire, c'est vrai, que les Espagnols sont mieux partis, qu'ils étaient davantage en confiance, mais ils menaient 8-0. Mais les Français ont réussi à redresser la barre. Allez, et plus que ça, musique, merci. Voilà, donc, ils menaient 18, jusqu'à ce que les Espagnols eh bien, reprennent un peu de leur superbe. 4 points d'affilée encore. C'est une. Des séries de points. Voilà. Deuxième demi-finale. Ouais. De... Il y a eu des séries de points, les pelotes déterminantes. Ouais, les pelotes semblent différentes. Celles qu'ont choisi les Français, comme je l'ai dit à la présentation, les pelotes seront déterminantes. Les Français préfèrent les pelotes vives. Et effectivement, ils ont choisi la, la pelote la plus vive du lot, je pense, qui leur a permis de revenir. Malgré ça, je pense que. Il y a eu un tournant là, quand ils ont mené 10 à 8, ils ont perdu un point là, avec Daniel Ramos qui a attrapé le bord de la planche, ça a cassé la dynamique
des Français. Et après, il y a eu quelques situations un peu confuses là, sur les deux murs où les Français ne sont pas trop compris. Donc on espère que sur le deuxième set, ils vont remettre les choses en place, parce qu'il faut, depuis cette année, Denis et Valentin jouent ensemble également un club qui commence à avoir de l'expérience et du vécu ensemble. Donc là, c'est le moment de se resserrer. Quand on est mené comme ça, quand on a perdu le premier set, ben on va voir s'il... Je pense et j'espère qu'ils vont nous démontrer que c'est une belle équipe, une grande équipe. Et il faudra reprendre position. On a souligné à la fin aussi que Valentin avait un petit peu perdu la position et qu'il s'était fait surprendre sur une pelote, deux pelotes qui lui avaient rebondi devant les pieds et qu'il avait dû être poussé à la faute. Donc il faut absolument que Valentin redevienne le patron sur le fronton, reprenne la place devant Daniel Ramos et distribue le jeu et amène les pelotes à Denis qui va finir les points. Les Français prennent le commandement. Un pour l'équipe de France, rien pour l'équipe d'Espagne. Ou l'Otero. Denis l'arrête au bout. C'est allé trop vite pour Daniel Ramos, l'arrière espagnol. Pas confondre avec Ramos, l'arrière français. Non, ça, c'est du rugby. L'Espagnol a réussi à relever cette pelote. L'arrêt est encore en accélération. Ah oui. Et la pelote a rebondi sur le dos, sur l'épaule de la Scotty. C'est parce qu'il était débordé. Ouais, la pelote. Denis avait tapé très très fort dans cette pelote. Et Mickey l'a pris dans le dos, je crois, après le mur. Il n'a pas eu le temps de se dégager, c'est vous dire la vitesse de la pelote. Et les joueurs qui se connaissent très bien, il y a beaucoup de rencontres transfrontalières entre les deux, et c'est des adversaires, mais c'est aussi des amis. Denis s'est excusé auprès de Mickey, c'était complètement involontaire. Et 4 pour l'équipe de France. Là, on vient sur ce point là on vient de voir Valentin vraiment exprimer sa puissance, sa qualité première, qui est la qualité de la vitesse de la pelote, avec une bonne frappe, là, une frappe franche, comme on dit. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui étaient un peu restées dans la pala. Et là, celle-là, par contre, elle est bien partie. Et elle est restée bien parallèle à la vitre. Et ça a vraiment gêné Daniel Ramos, qui n'a pas pu la relever. Denis Cangrange. Voilà, Denis Cangrange, un but. 5-0. France 5, Espagne 0. 5-0. Allez, tempo, équipe d'Espagne, voilà, allez, un coach Zizik. Voilà, on va casser le rythme encore. À Robert Giraud, qui rappelle ses joueurs. Et après l'entraîneur français. Français qui ont bien attaqué cette deuxième manche, contrairement au premier set où ils avaient été menés 8-0, ils avaient couru après le score, ils étaient revenus, mais bon, on laisse des forces à revenir. Donc là, ils font la course en tête et c'est de bon augure. On va voir, pareil, c'est les gestions de reprise de temps mort. On a vu dans le premier set, et je pense que statistiquement, les reprises de temps mort, c'est favorable à l'équipe qui l'a demandé. Donc à voir si l'équipe d'Espagne va pouvoir profiter de cette minute de repos pour
pour reprendre le but. Allez, c'est reparti donc et revenir dans cette deuxième manche. Le but France Denis Varech, 5 à 0. De Denis. 6 pour la France, rien pour l'Espagne, 6 à 0. Voilà, la série là dans ce deuxième set, elle s'inverse. La courbe s'est inversée et les Français mènent 6 à 0 alors qu'ils étaient menés 8-0 lors de la première manche. Ça va peut-être être de bon augure pour ce deuxième set. Magnifique pelote de Daniel Ramos. 1 pour l'équipe d'Espagne, 6 pour l'équipe de France. Espagne Renault, 36. Un petit peu droit de la part de Valentin, mais bonne frappe tout de même. Frappe franche. Il a bien traversé la pelote. On a vu que notamment à la fin du premier set que ça n'avait pas été trop le cas. Certaines ne partaient pas trop, comme on dit. Mais là, c'est de bon augure. Voilà, on aura besoin de Valentin comme ça, puncher, pour revenir. Deux pour l'équipe d'Espagne, 6 pour l'équipe de France. Dans sa série. Daniel Ramos qui 3 qui embête les Français là avec cette 3 pour l'équipe d'Espagne, ce deux murs là qui est difficile à lire. Denis est obligé d'aller d'avancer et de couvrir son filet, donc là il est pris encore une fois de plus sur l'intérieur. C'était à Denis de défendre cette pelote, mais voilà, il faudrait relancer le but si on peut un peu mieux. Là, c'était une longue planche de Valentin. Voilà, ça c'est mieux. Denis a une belle pelote, non pas si belle que ça. Décider l'arbitre. Il a donné le point à refaire. Alors là, voilà, c'est assez injuste s'il donne la refaire. Ça fait beaucoup là. Ouais. Et oui, le point est à refaire. Il semblait pas tout de même que la trajectoire de la pelote. La règle, c'est si l'arbitre considère que la pelote va au mur. Ouais. Voilà. Mais c'est impossible qu'elle aille au mur parce que la pelote elle était complètement ratée dans la pala. Daniel Ramos il a tapé avec le manche, hein. Donc, ouais. Il avait complètement décentré, il avait été pris par la vitesse de pelote de Valentin. Et là c'est le public n'est pas content d'ailleurs. Il faudrait la vidéo là, hein. Ouais, il faudrait la vidéo, oui. Là effectivement c'est la pelote ne prenait pas la trajectoire d'une pelote qui aurait été bonne. Devant le ralenti de cette pelote de Campos qui exhorte le public à manifester son mécontentement. Rien. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Alors là, la pelote, on le voit clairement là. Ah là c'est une erreur. Ouais. La pelote de l'Espagnol. Elle n'a aucune force, elle ne peut pas aller au mur, elle peut pas aller au mur. Le point, elle va toucher la vitre, ouais. Elle va être freinée. Ah, c'est impossible qu'elle aille au mur. Ah ouais.
Là, il y a énormément de tension. On voit Arnaud Bergerot aussi qui a fait des... Qui n'a pas l'air d'avoir apprécié que les Français haranguent un peu la foule. Alors, on disait beaucoup de bien de cet arbitre. On continuera d'en dire du bien, de payer au tranché. Mais là, il s'est peut-être trompé. Il s'est pour ne pas enlever le peut-être. Mesdames, messieurs, tant qu'il n'y aura pas du silence, a priori, ça ne va pas reprendre. Donc voilà, s'il vous plaît, merci. Le public n'est pas content et on demande à ce qu'il se calme avant que les débats ne reprennent. Je pense que c'est le délégué de la Fédération internationale sur la planche. C'est le chef des arbitres là qui est en train de... Qui donne des consignes à Philippe Quintana, qui est le speaker de la Coupe du Monde. Je pense pour demander au public que le jeu ne reprendra pas tant qu'il n'y a pas silence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc la Fédération et surtout l'encore arbitral me dit que si par hasard donc il y a du bruit comme ça, pardon, excusez-moi, la partie ne pourra pas reprendre. Donc voilà, merci beaucoup pour les joueurs. Merci. C'est parti. Voilà. Le public ne se calme pas trop encore. Non, on avait évoqué la tension. Mais ça repart quand même. Juste au-dessus de l'arrêt. Bien joué Denis qui coupe cette pelote avec la gauche. Et la pelote qui va s'écraser, il a eu la lucidité en bout de course et en bout de palade de la poser juste au-dessus de la ligne. C'est très bien joué. Ils ont eu la force mentale de signer ce 7ème point qui aurait dû le revenir un petit peu auparavant. Attaque de l'Aretsch au filet, remarquable. Ça part d'un bon but, encore une fois de plus, Denis qui s'est procuré une belle pelote grâce à l'engagement. Et une fois de plus, c'est bien ce qu'il fait Denis parce que c'est juste après ce moment de tension là. Et il conclut deux points avec la tête. Ouais. La première avec la gauche, il coupe au-dessus de la ligne, là il fait un petit demi-mur. C'est bien joué, il faut dans ce moment-là où ça bouillonne sous le casque et il faut avoir un éclair de lucidité pour réaliser ce coup juste. C'est bien joué. Encore un but. Ah oui. Le troisième dans ce set. Le septième au total. C'est un bon ratio. Pour l'équipe de France. Comme on dirait aujourd'hui, bonne stat. Oui, exactement. Les Français sont chez eux. Nouveau but. 10-3. 10-3. Et le temps mort a déjà été pris par les Espagnols. Ils sont donc obligés de rester sous la pression des Français. Arnaud Bergeron ne peut plus casser la dynamique en rappelant ses hommes. Denis Larech encore. Avec son but caractéristique. Et filet direct. Faute des Espagnols. C'est Ramos maintenant qui tape avec le corps en arrière. Et c'est Valentin qui imprime. Valentin Carlos à l'image. France 11, Espagne 3. À ce jeu, on peut pas. En demi-teinte, c'est pas très efficace. Pour rentrer dedans et mettre de la conviction dans ce qu'on fait, parce que sinon on subit la pelote et même si elle n'est pas fausse, on va la livrer et on va reprendre une avalanche derrière. Donc il faut être à l'initiative. Encore une accélération. Ouais. De Denis Larech. Ah, c'est l'homme de la partie. Pour l'instant, ouais. L'homme de la partie. Et 12 pour l'équipe de France, 3 pour l'équipe d'Espagne.
dos et tres. Il a été surpris un petit peu sur, sur quelques deux murs là, qui lui sont restés à l'intérieur, mais sur l'attaque, à part ces deux raies du début, c'est efficace. Il refait un point encore avec sa gauche. Et France à 13 et Espagne à 13. 13 à 3 pour l'équipe de France. Espagne 4, France 13. Alors, est-ce qu'on va assister à une série de buts, de points espagnols? C'est la seule chance qu'il leur reste pour revenir dans ce set où ils sont dominés outrageusement, 13 à 4. Ce sera quand même difficile de revenir pour les Espagnols. On va voir. Ah! Et là, la pelote a touché le joueur espagnol. Il n'y a pas eu de doute, l'arbitre a accordé le point. À l'inverse, de façon logique, la pelote est au ras du sol. Je crois que Daniel Ramos a été touché au niveau de la cheville. Partie à gauche, la pelote. Cheville ou dans le pied même. Le mollet peut-être, mais je ne sais même pas. La pelote n'allait pas au mur, c'est sûr. Valentin s'est excusé. Allez, c'est reparti. Saque Espagne, Miki Lascoiti. Rappelons que le rectangle en haut à gauche, si la pelote y va, eh bien, elle est jugée bonne. Ça se précise, 14-5 à un point donc de l'égalisation au niveau des 7. Mesdames et messieurs, France 14, Espagne 5. 14, une faute inhabituelle à Miki Lascoiti qui avait clairement une pelote facile pour un joueur de son niveau à jouer. Et il s'en veut énormément. On l'a vu de suite crier et s'exprimer comme on le connaît. Un gagneur hors pair. Et donc ça offre une balle de manche, une pelote de manche pour les Français, avec Denis qui a buté. On comptait sur son but. Et voilà, conclusion de ce deuxième set, 15-5 en faveur des Français. Donc on va s'en remettre à la belle Andy Poer. Ah, c'est une partie de toute beauté. Il y a tout dans la partie. Il y a des beaux points, il y a du suspense. La tension un peu. La dramaturgie. Un petit peu avec cette... Et puis cet esprit de revanche qui anime les Français. Ils avaient perdu à Barcelone en finale contre ces Espagnols. Avec Arnaud Bergerot, le Français qui est aux commandes de l'équipe d'Espagne, en froid avec les joueurs français. Là, on va voir sur le dernier set en 10 points. Le Douro, l'ancienne P7. Oui. Le Douro, ça sera important de savoir qui c'est qui va engager. Avoir le but, parce que là, on joue qu'en 10 points. Oui, donc, ça va très vite. Là. Vous avez vu la brièveté des échanges. Par quelques heures, le but c'est important. Donc effectivement, si Denis par exemple gagne la pièce, sachant qu'il reste aussi deux pelotes neuves, ils peuvent aussi sortir ça, cet atout-là de leur sac. Donc ça peut être une bonne chose. Miki Lascoiti a fait moins de points directs que Denis. Et même si le début de partie, on peut lui imputer la qualité de son but.
ça sera important, la pièce, on va être attentif à la façon dont M. Tranchier va jeter le douron. Ça sera important de savoir qui c'est qui va gagner la pièce, on me dit quoi. Ouais. Le douron, là, il aura une valeur autre que les 5 pesetas qu'il vaut habituellement. Ça va valoir de l'or. Voilà, donc le douron, pour savoir qui c'est qui va buter. Vous l'aurez compris, c'est très important. Troisième et dernière manche en 10 points. Le but à l'équipe d'Espagne, Saki, voilà. Miki, la Scoiti, Espagne. But allez, rouge. En 10 points, dernière manche, monsieur. Le 7, on le rappelle en 10 points. La manche est décisive. pour l'Espagne au premier set et 15-5 pour les Français au deuxième. Et bien voilà, le but qui était dévolu aux Espagnols n'a pas eu les conséquences qu'ils espéraient. Ce sont les Français qui signent le premier point. Qui la Scoiti qui a pas bien buté là sur le coup, il a fait tourner trop court sur la volée de Valentin. Et on avait parlé avant aussi de l'importance de relancer le but, si celui-ci est mal réalisé. Et là, Valentin a saisi l'occasion et a de suite mis de la longueur et a trouvé le tchitchak au fond pour faire le point. À Denis but et c'est pas pareil. Hein. Voilà. Denis qui prend le but et qui engrange un premier point. 2-0. 20% du chemin a été fait. Il a mis 4 buts lors du premier set, 4 buts lors du second. Et là, il en a déjà mis un. Alors que la France mène 2-0. Ah, mais l'arrêt, je suis déchaîné là. Ouais. Beaucoup de variations dans ces attaques. France 3. Espagne 0, 13-0. Arnaud Bergerot qui demande le temps mort à 3-0. Tiempo Espagne. Déjà. Tiempo Espagne. Ouais, c'est en 10. Et c'est en 10. Il l'a demandé à 5-0, là, 3-0. Et il sait que, voilà, il sait que l'entame de manche est très importante. Je voulais le dire tout à l'heure. On a vu sur le premier set que c'était l'Espagne qui avait bien commencé. Ils ont gagné la manche. La deuxième set, c'était la France. Et là, en 10, on est déjà à 3-0. Il voit bien que Denis fait mal au but, derrière il exploite bien les belles pelotes. Valentin a pris le pas, je pense, maintenant sur Daniel Ramos. Et que voilà, la sentence s'approche. Rien n'est acquis. On connaît l'orgueil et la qualité des Espagnols. C'est eux les champions du monde, il ne faut pas l'oublier. C'est eux les champions du monde en titre. Denis l'arrête sur but, France. Et donc ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et les Français sont sur une bonne vague. Ouais. Eh oui, la frappe, c'est pas pareil. Ouais. On l'entend dans la paletta de Valentin. Et la pelote, elle part bien. Pour la France, rien pour l'équipe et là, d'Espagne. Il ne retient pas ses coups. Ramos qui a eu beaucoup de chance avec son coup, il a tapé avec le bandeau avec le bord de la planche, le bandeau, ce qu'on appelle. Du tambour. Ouais, exactement, le bord du tambour. Et donc Denis n'a pas pu la reprendre parce qu'il était occupé à se protéger. C'était ouais. Un geste dangereux. Et Valentin a été surpris, n'a pas pu suivre. Alors, bien repris, c'est cette pelote de Camos. Retour de mur pour Camos. B
bien replacé Cambos à nouveau. Ah. Commence à hésiter, il a demandé à l'arbitre si la place était bonne ou pas. Il s'est repris. Je me demande si elle n'a pas touché la ligne. Parce qu'elle a elle est descendue du coup. Fraction de seconde d'hésitation qui lui a été fatale, mais je ne sais pas. Ramos a regardé l'arbitre. Il a trouvé lui aussi que la trajectoire de la pelote avait été un peu suspecte, on va dire. Ouais. Je me sens qu'elle a touché le bas pour faire descendre la pelote comme ça. Oh, encore un but. Oh. Ça, c'est, ça fait du bien parce qu'il a à quelques centimètres près, il était faux. Ça fait point gagnant. Donc là, d'un 2-5, on est à 6-1. C'est pas la même chose. Et Mickey qui était sur la pelote, mais qui l'a laissé passer en pensant qu'elle ne passerait pas la ligne. C'est un mauvais choix. C'est facile à dire après coup. C'est le jeu. Oui. Ah. Ah, il a ramené de justesse avec beaucoup de réussite. 2 pour l'équipe d'Espagne et 6 pour l'équipe de France. Espagne allonge, Valencia 6. Changement de pelote de la part de l'Ascoiti. L'Espagnol qui tente un peu le va-tout là pour cette fin de partie avec une autre pelote. Il flotte avec les lignes. Il faut enlever cette pelote à la Scotty. Je pense qu'il est, il est capable, il a le mental et il a le charisme pour sortir l'équipe d'Espagne de l'eau. Ouais, de ce mauvais pas. Ou de ce mauvais pas, voilà, c'est ça. Ouais. Sortir la tête de l'eau et sortir de ce mauvais pas, c'est mieux. Bien repris par Cambos. Ou bien Denis. Ah, Cambos, malin, marqué. Il veut trop en faire. Il veut manger cette pelote. Il Espagne dessus. 4, France 6, 4-6. Petit temps mort de la part de Christian Duprat là. Je crois pas. L'entraîneur, non. L'Espagne qui est toujours vivante, 4-6. Eh oui. Mickey qui bute. Pour l'instant, il n'a pas pesé autant qu'il avait pu le faire à Barcelone sur ce secteur de jeu, mais attention à ça. Elle a pris de l'effet la pelote après la paroi de verre. C'était mieux, il avait une meilleure longueur. Cambos, il lève plus ses pelotes. Il faut qu'il revienne se placer là. On évite soigneusement la rèche du côté espagnol aussi. Oui, clairement. Tension sur ce point. Ah, il vaut cher celui-là parce que les Espagnols étaient prêts de recoller. Un point très important. L'Espagne. A disputé ce point de façon magnifique dans la lignée de ce qu'ils ont fait sur les 2-3 points précédents. Je vous l'ai dit, c'est les champions, ils ont l'orgueil, ils ont la qualité technique, mais ils ont aussi l'orgueil, ils ne veulent pas mourir. Ils sont dominés depuis le début du deuxième set, mais ils ne veulent pas lâcher. Les Français sont allés le chercher celui-là. Valentin a appuyé une pelote longue, elle était certes droite, mais il y a eu la longueur et Daniel Ramos n'a pas pu reprendre cette pelote. Denis reprend le but avec sa pelote. On est à 7-4.
Celui-là, il est faux, par contre, je crois. Non, il est faux, celui-là. Il le considère comme bon. Ouais, ouais, ouais. Je pensais qu'il est faux. Il me semble que oui. Mais... Et 8 pour l'équipe de France. Il faudrait qu'on puisse le revoir. 4 pour l'équipe d'Espagne. 8-4. Cette fois, l'erreur d'arbitrage en faveur des Français. Des Français. Ouais. Bon, c'est match nul. À ce moment-là... On joue en 10, on vous le rappelle, et Denis Larenc a dans sa pala le point qui l'emmènerait en finale. Il a déjà rentré deux buts dans ce troisième set, 4 dans chacun des deux premiers. Et voilà, il rentre son troisième but et qualifie la France. Pour la finale. Voilà, belle victoire de l'équipe de France là qui chasse un petit peu les fantômes de la finale de Barcelone. En battant les champions du monde espagnols. Donc après une entame de partie très très difficile, Denis et Valentin ont montré de belles qualités morales pour venir remporter cette rencontre. Voilà, mes félicitations à l'équipe d'Espagne qui a livré encore une grande partie. Ils ont été quand même ballottés, dominés à partir du deuxième set. Et là, au troisième set, ils se sont bagarrés, ils ont produit une grande prestation. Et voilà, félicitations aux quatre joueurs, belle partie. Donc France en finale et l'Espagne jouera la médaille de bronze contre le perdant de Argentine-Uruguay. Voilà, je suis sur la cancha donc avec les acteurs. Denis Larenc, ouais, qu'on voit votre visage. Voilà, méritez bien qu'on vous voit, que vous soyez en pleine lumière. Remarquable partie aujourd'hui. Rentrée des buts, c'était peut-être la clé de ce match. Ouais, c'était très très mal engagé. On a réussi à trouver une petite porte de secours. En utilisant le but, c'est vrai qu'on a eu de très bonnes pelotes. Et avec Valentin, on a réussi à mettre notre jeu en place. Ça a mis du temps, ça a mis 10 points, les 10 premiers points de la première manche. Mais c'est que du bonheur. Valentin Cambos, il y avait un esprit de revanche qui vous animait par rapport à l'année dernière, c'est certain, quand vous avez perdu cette finale des championnats du monde face aux Espagnols. Oui, c'est sûr, l'année dernière, on était passé un petit peu à côté de notre finale. Voilà, on avait une revanche à prendre. Ben voilà, et je pense qu'on a donné la meilleure des réponses. Aujourd'hui, voilà. On est passé à autre chose et on a réussi à se faire transcender, à mettre notre plus en place. Ce public a été formidable, voilà, incroyable. Et je pense aussi aux deux personnes qui étaient dans le filet, les deux Thibaut, donc Thibaut Treille et Thibaut Lecherin, qui sont nos soutiens précieux durant toute la préparation. C'est ça, exactement. Il n'y a pas forcément de remplaçant parce que on s'est battu comme. Comme des chiens, voilà, pendant 4-5 mois. Et c'est vrai que Thibaut Treille, du haut de ses 19 ans, il arrive à nous tenir aujourd'hui. Donc c'est très très prometteur. Et puis quand on voit Thibaut Lecherin qui continue sans cesse de progresser, moi je pense que je ne vais pas faire de vieux os, donc je vais pouvoir partir tranquillement. Il y avait quand même, on en parlait avec Valentin, cet esprit de revanche par rapport à l'année dernière. Pardon, j'ai pas entendu. Oui, il y avait cet esprit de revanche par rapport à l'année dernière. Oui, c'est vrai qu'on a eu, on avait à cœur de gagner cette partie, même si c'était très difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était mal embarqué. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, on avait à cœur de prendre notre revanche, même voilà, de laisser les histoires de côté pour faire une partie, alors que voilà, on a des problèmes avec des personnes. Mais bon, les quatre Espagnols. C'est de très très bons amis dans la vie courante, donc voilà, c'est un sentiment un peu partagé. On aurait peut-être préféré partager ce moment en finale avec eux, mais bon, on est,
on est très content d'avoir pris notre revanche en demi-finale, oui. Bravo donc, on vous retrouve samedi pour la finale. Mais on verra face à qui. Voilà, donc Arnaud Bergerot, peut-être un petit mot. Arnaud Bergerot, avant de se quitter, l'entraîneur espagnol. L'entraîneur de l'Espagne, bon, aujourd'hui, quelle est votre analyse, le meilleur à gagner? Oui, on est tombé sur un très grand Denis Larech qui nous a fait du mal au but. Parce qu'après, dans le jeu, bon, on était, je pense, égal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a très, très bien buté. Et quand on bute bien dans cette spécialité, eh bien, après, on a la belle pelote pour pouvoir finir. Voilà, donc félicitations à eux. Ça fait longtemps qu'ils sont favoris, ils n'ont pas gagné encore. Peut-être que c'est leur année. Voilà, merci pour votre sportivité. Arnaud Bergerot, le plus grand palmarès de la palette à cuir française qui entraîne l'Espagne aujourd'hui. Oui, mais ça me fait énormément plaisir. J'ai un groupe de joueurs fantastiques, vraiment. Miki Lascoiti, l'avant, qui a joué aujourd'hui, a perdu son frère il y a un mois, en pleine préparation. On voulait essayer de gagner, au moins d'arriver en finale pour lui, on n'y est pas arrivé. Mais bon, c'est ça le sport. Et on fait le sport de haut niveau pour avoir ces doses d'adrénaline. Merci Arnaud Bergerot. Et à très bientôt. Merci. Voilà, donc on va se quitter sur cette demi-finale, la plus belle partie de la journée. Donc si l'on fait le bilan de cette journée aujourd'hui, il y avait 4 places en finale pour les Français à acquérir. Bien, les Français ont gagné le droit de jouer la finale à Palais d'Agome féminine. Ça sera demain. À Charré également, ça sera demain. À Palais à Cuir, ça sera donc samedi. Et puis à Palais à Gomme, chez les hommes, eh bien, les Français n'ont pu caresser l'espoir d'aller en finale. Ils étaient face aux intouchables argentins. Ils se sont inclinés. C'était quand même une belle soirée. Je vous donne rendez-vous donc demain à partir de 20h pour les finales de Palais à Gomme féminine et de Charré. Ça sera France-Argentine et France-Mexique pour les filles et France-Espagne pour les garçons. À demain.